Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue masque avec la présentation une fois encore donc d'un véhicule de la team Venom et plus précisément donc Slyrax et son véhicule Piranha. Véhicule que je possédais étant petit, donc c'est toujours le mien de quand j'étais enfant. Si ce n'est que voilà, les petits mécanismes ont un petit peu accusé le coup. Et puis petite chose qui change aussi, c'est que j'avais perdu le masque en étant jeune, donc voilà, j'ai retrouvé le masque il y a quelques mois, quelques années, je ne sais plus, et le voici donc enfin complet. Voilà, un personnage que j'aime beaucoup, qui est assez drôle dans l'histoire, malgré son côté vraiment méchant, foncièrement méchant, mais aussi très très pleutre, on pourrait dire ça. Un vicieux pleutre. Pourquoi pleutre? Parce que voilà, il n'hésite pas donc à sauver sa peau et à laisser parfois ses compagnons un peu dans la merde, surtout quand il se fait toucher. Enfin bref, hein. Si vous voulez en savoir plus, comme toujours, je vous invite à regarder donc la série animée, hein, qui est disponible sur YouTube. Voilà, je crois avoir dit ce que voilà ce qu'il y avait à dire tout simplement. Donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors voilà. Comme je dis toujours, c'est parti, let's go! Ouais, bonne revue les mecs! Ouais, bonne verrue les mecs! Vous allez voir, ce véhicule masque, il est vraiment top coucoul! Ouais, un véhicule masque top moumoute! Allez, nous on vous dit à tout à l'heure, et bonne vidéo! Ouais, à la voyure, tchuss! Commencer donc petite présentation de la figurine. Alors on voit bien que voilà, de par son look et sa tronche, c'est vraiment le bad guy par excellence. Jean, bottes de moto, perfecto, des grenades donc au niveau de sa veste, des chaînes, la paire de lunettes donc de motard, la moustache, la petite barbiche. Voilà, la figurine est plutôt très très bien réussie. Comme toujours donc, hein, on ne déroge pas à la règle.
Les bras donc sont articulés, ainsi que les jambes et les genoux. Voilà, ce qui est amplement suffisant pour une figurine de cette petite taille. Figurine vraiment très 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 propre, très très bien réalisée, qui respecte un petit peu donc qui reste vraiment dans l'empreinte de la série animée. Donc voici donc notre petit mercenaire qui, tout comme l'agent masque Buddy Hawks que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques temps, donc est spécialiste dans l'art du déguisement, mais aussi il est également donc un expert en armement. Voilà un petit peu pour les présentations de notre Slyrax. Alors hop là, on va à présent donc passer à son masque. Alors voilà, petite mise au point, monsieur Focus, merci. Voilà donc son masque en caoutchouc souple, voilà, que j'avais donc égaré étant enfant, et que voilà, j'ai eu quand même la joie de retrouver il y a quelques années pour compléter mon petit véhicule Piranha. Le masque est encore très très sympa, avec ce côté marin, donc avec le système respiratoire sur le masque, voilà, donc une sorte de casque de plongée amélioré. Et pourquoi casque de plongée? Bah voilà, vous le saurez tout de suite après avec les présentations du véhicule. Donc voilà, le masque est plutôt très très soigné. Et donc voilà, quand on le met sur notre Slyrax, voilà un petit peu à quoi ça donne. À savoir que donc le pouvoir de son masque est Plexor, Stiletto en version originale, capable de lancer des petites fléchettes perforantes. Voilà donc pour la présentation du personnage. Et petit 360 à présent donc de notre Rax aux commandes de son véhicule Piranha. Pas de surprise, vous l'aurez deviné, il s'agit là d'un sidecar vraiment super propre, je l'adore. L'échelle, une fois de plus, comme tout véhicule masque, est parfaitement respectée, avec des finitions vraiment de toute beauté et plein de petits autocollants qu'on venait rajouter, un petit peu comme les Transformers, de façon donc à habiller un peu plus et à parfaire notre véhicule. Voilà, véhicule que j'adore, hein. Je suis toujours aussi fan, avec Cliff Dagger, bien sûr, son compagnon de route, son acolyte. Donc le voici avec une superbe bulle translucide à l'avant, les stickers pour noter, donc pour les feux, ainsi que sur la partie sidecar. À savoir que la moto peut se détacher du sidecar, donc vous pouvez l'utiliser en simple moto, vous pouvez même éventuellement, si vous le souhaitez, retirer la bulle. Par contre, faites bien attention, parce que les mâchoires de fixation de la bulle étant en plastique d'époque translucide, ceux-là ont tendance un petit peu à mal vieillir et à se casser. C'est vraiment voilà un problème assez récurrent avec ce personnage. Sinon, voilà un petit peu, hein, la moto est absolument magnifique. La partie de sidecar en jette vraiment grave. Voici, hein, pour vous donner une idée de ce que peut donner donc la moto sans le sidecar. Donc ça reste cohérent, hein, avec les deux ergos juste ici, donc qui permettent la liaison avec cette partie juste ici. Voilà, moto vraiment très très belle, hein, bien détaillée, avec des petits chromes, les jantes chromées également. Bref, voilà, un véhicule très très propre et surtout donc très fidèle à la série animée. Enfin, c'est plutôt la série animée donc qui est fidèle au jouet pour le coup. Voilà, vraiment un chouette petit véhicule. Petite photo de famille à présent donc de notre Slyrax aux côtés donc de son pote et acolyte Cliff Dagger, que j'ai eu l'occasion donc de vous présenter lors de la vidéo précédente consacrée donc au masque. Alors les gimmicks sur son véhicule sont adaptés à la taille du véhicule, c'est-à-dire que voilà, on a deux petits mécanismes qui représentent donc le mode attaque, mécanisme donc qui s'active voilà au niveau des deux parties arrière. Juste ici, vous avez un premier poussoir et un second poussoir. Alors malheureusement, moi, comme j'ai beaucoup joué avec, et du coup le mécanisme a un petit peu mal vieilli, mais normalement lorsque vous appuyez sur ce poussoir-ci, vous avez les canons à l'avant donc qui sortent, avec des petites ailettes sur le côté comme ceci. Et vous pouvez donc évidemment placer votre Slyrax à l'intérieur donc du sidecar,
puisqu'il a la possibilité également donc de pouvoir piloter l'ensemble à partir donc de cette petite cabine là. Voilà le mode attaque en mode terrestre qui est plutôt sympa, ça fait son taf, hein. C'est pas grandiloquence, mais voilà, on a les petits lasers juste ici donc qui font leur effet. La subtilité surtout avec ce véhicule donc qui est du coup en accord avec son masque, c'est que voilà, vous pouvez allonger donc le personnage à l'intérieur et puis remonter et fermer voilà la vitre comme ceci. Et l'ingénierie pour le coup, une fois de plus, est vraiment extrêmement bien pensée. Et donc, une fois que vous avez sorti les missiles, vous appuyez donc sur le poussoir principal juste ici. Voilà, qui a pour effet donc d'éjecter la partie principale du sidecar pour en faire un mini sous-marin. Voilà, nous avons d'ailleurs l'arrière des moteurs donc chromés avec les petits propulseurs juste ici représentés par un autocollant. Alors voilà, monsieur Focus, s'il vous plaît, comme toujours, merci. Et voilà donc à quoi ressemble notre petit Piranha dans son mode sous-marin, donc mode qu'il utilise assez souvent pour s'enfuir lorsqu'il n'a plus trop le dessus sur masque, mais également donc voilà pour attaquer les équipiers masques depuis la mer, l'océan, ce que vous voulez. Enfin voilà. Donc je le trouve toujours aussi joli, hein, vraiment, avec les petits autocollants Venom sur le côté. L'ingénierie, comme je vous l'ai dit, est bien pensée, hein, puisque vous voyez, quand vous voulez remettre le véhicule, vous avez juste à appuyer sur les missiles et tout se rentre et se lock ensuite donc dans cette partie là. Et voilà, et ce petit sous-marin vraiment a de la gueule. Voilà, c'est un véhicule qui est tout simple, qui paye pas de mine, et qui, voilà, sous ses airs de véhicule citadin, tout ce qu'il y a de plus classique et ordinaire, voilà, révèle ce petit module sous-marin, ce petit module nautique d'attaque, voilà, de toute beauté. Et puis voilà, puis en plus le véhicule est vraiment compact, hein, donc ça lui permet vraiment de pouvoir aller un peu partout où il veut. Voilà, c'est tout simple, mais c'est efficace et ça fait son taf. Moi personnellement j'adore, voilà, je suis hyper fan de ce véhicule, un peu de deux en un, parce que du coup on a quand même le véhicule de tête et puis donc le véhicule supplémentaire jusqu'ici représenté donc par ce petit sous-marin. Et bien évidemment donc vous pouvez après, lorsqu'il revient se fixer donc à la moto, vous pouvez rabaisser la vitre principale, voilà, nous mettre le petit Rax ou un de ses compères. Ensuite donc vous appuyez sur la partie des missiles juste ici. Voilà, les ailes sont automatiquement rentrées. Vous avez un cylindre juste ici qui va venir se placer à l'intérieur, juste où se trouve le ressort. Et voilà, vous n'avez plus qu'à rentrer le tout. Alors, et c'est là où je vais rencontrer... Ah non, ça va à peu près. Voilà, je vais pas trop le bousculer, hein, parce que moi, mon mécanisme est un petit peu vieux, comme vous pouvez le voir. Voilà, il a la détente facile. Mais voilà, donc notre Rax, voilà, qui vient donc de retourner dans son mode sidecar. Voilà. Donc ce que j'aime bien, et c'est un petit peu comme pour les Transformers, mais ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises, hein, c'est ce côté deux en un où on a tout d'abord un véhicule civil. Voilà, qui ressemble au véhicule lambda, qui ressemble à n'importe quel autre véhicule. Mais voilà, une fois le mode attaque lancé, eh ben, on a quelque chose de plutôt très redoutable. Donc ce fameux concept du 2-en-1 qui met vraiment très cher. Et c'est vrai que je pense que nous étions assez nombreux également en France à avoir ce véhicule-là, parce que de par sa taille et voilà, donc du coup les mécanismes un peu plus simples, il était en termes de prix quand même plus abordable que voilà que des véhicules masques de plus grosse taille. Et du coup, bah voilà, on était assez nombreux à posséder ce véhicule-là, mais bien content de l'avoir, puisque voilà, il apparaît dans quasiment toute la première série à chaque épisode. Donc voilà, on avait l'occasion donc d'avoir quand même un véhicule pas trop cher et qu'on voyait qui était prédominant dans la série. Voilà un petit peu donc pour la présentation de notre Rax aux commandes de son sidecar Piranha de la team Venom. J'espère que cette revue vous a plu, a permis pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir voilà cette gamme de jouets et ce jouet vraiment culte.
Vraiment pour l'époque, on est en 85, hein, la même époque des Transformers G1, mais voilà, Kenner avait ce petit plus, quelque chose qui donnait de la classe, un côté précieux aux jouets, surtout qui ont très bien vieilli, parce qu'aujourd'hui encore, je trouve qu'ils ont toujours de la gueule. Et puis donc l'ingénierie en termes de système, de mécanismes et autres, voilà, qui était vraiment extrêmement bien pensé, une fois de plus pour l'époque. Voilà, je ne suis pas sûr, je m'avance peut-être, hein, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse avoir des véhicules aussi beaux, de cette qualité. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, hein, l'époque glorieuse donc de nos bons vieux jouets vintage de quand on était petit. Donc, n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit véhicule. Un petit coucou, alors je vais réduire un petit peu l'image, voilà, un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Merci à vous pour votre confiance, bienvenue dans notre petite famille et communauté de fans de Transformers, mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Nous avons cette fois-ci franchi vraiment le cap des 1640 abonnés. Voilà, c'est grâce à vous, donc merci infiniment, et comme toujours, bien entendu, plein de gros bisous aux plus anciens. Voilà, on se retrouve donc début de semaine prochaine, je pense, pour un petit unboxing, alors moitié unboxing, moitié nouveauté nouvelle du papy. D'ici là, eh bien, passez un bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, donc, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchou. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je vais aller faire un tour dans l'océan pour voir les poissons avec mon pote Rax. Oh, c'est trop cool. Ouais, non, c'est pas cool parce qu'il y a qu'une place. Moi je peux pas monter. Je fais comment moi si je veux aussi m'amuser? Oh, c'est tout simple. On t'a ramené ton petit radeau que t'aimes bien. Oh putain, non! Ouais. Allez, à la revoyure, les amis. Tchuss! Non! Ouais, et pendant ce temps, qui c'est qui rame? C'est Bibi. Ouais, il y a vraiment trop de préférences dans cette histoire. Je me sens vachement floué pour le coup. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.